Ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est clairement pas la chose la plus sexy dont je t'ai déjà parlé, mais c'est vraiment utile. C'est un sujet qu'on n'aborde pas vraiment beaucoup entre musiciens de blues. On dit qu'on n'en a pas vraiment besoin ou que de toute façon on sait faire sans. Je sais, c'est exactement ce que je faisais jusqu'au jour où j'ai décidé de me plonger dedans. Et là, j'ai été moi-même étonné de tous les bénéfices que j'en ai retirés. Ça a changé plein de choses pour moi. Dans ma compréhension de la musique, dans mon rapport avec les autres musiciens, la discussion avec les autres musiciens, dans mes compositions, parce que j'ai vraiment progressé là-dedans, ça a vraiment amélioré nettement mon jeu. Ça m'a aussi permis de comprendre ce que je faisais machinalement depuis des années. Alors, cette chose pas du tout sexy, je te le donne en mille, c'est... le solfège. Alors, ou la théorie musicale, ou l'harmonie, tu l'appelles un peu comme tu veux, ou comme tu l'as entendu. Alors si rien que le mot solfège te donne envie de quitter cette vidéo, attends, donne-toi une chance et écoute la suite. Qu'est-ce qui t'aide à comprendre la musique? Le solfège. Qu'est-ce qui t'aide à comprendre le rythme? Le solfège. Qu'est-ce qui t'aide à te faire comprendre auprès des autres musiciens et d'avoir le même langage? Le solfège. Qu'est-ce qui t'aide à pu oublier tes compos et à pouvoir les noter? Le solfège. Qu'est-ce qui t'aide à toujours savoir comment jouer ta grid blues et comment jouer sur ta grid blues? Le solfège. Alors je sais, tu vas me répondre, qu'est-ce qui est chiant comme la peste? Le solfège, le tue-l'amour de la musique. Le solfège, et qu'il y a plein de guitaristes super géniaux qui ont réussi à avoir des carrières fantastiques sans connaître le nom de la moindre note. Et là, ben je suis d'accord. C'est tout à fait vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a plein d'exceptions, il y a plein de génies, il y a plein de mecs qui ont réussi comme ça, enfin des surdoués, mais par contre, il y en a plein qui n'auraient jamais eu les mêmes résultats sans connaître les bases de la théorie musicale. La bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé le travail. Et je te présente ma toute nouvelle formation, le solfège appliqué au blues. Alors, comme le nom l'indique, c'est le solfège, ou théorie musicale, appliqué au blues. Donc je vais juste t'expliquer ce dont tu as besoin pour jouer du blues. Dans cette formation, je me sers d'un tableau noir, d'une craie bleue et d'une guitare Martine. Pas vraiment important que la guitare soit une Martine, mais je trouve que c'était cool de le signaler quand même. Je t'explique toutes les notions théorie musicale, guitare en main, je remets ça directement sur la guitare, je t'explique et je te montre directement sur l'instrument toutes les notions que tu as besoin pour le blues. Pas plus, ni trop, ni trop peu, je t'embête pas avec du superflu, on parle de blues, on parle de guitare et on va aller à l'essentiel. Dans cette formation, tu vas notamment trouver la formule rythmique à connaître absolument pour jouer du blues. Les valeurs des notes, la différence entre binaire et ternaire, pourquoi parfois c'est mieux de ne pas utiliser un métronome. Une astuce pratique pour compter le rythme. La grosse erreur rythmique que font plein de guitaristes et comment la résoudre. Plein d'explications théoriques pour faire groover tes rythmiques, donner de la vie à ton jeu, comprendre les temps forts, les temps faibles. Qu'est-ce que ça veut dire de jouer laid back et au fond du temps? Les notions d'intervalle, pourquoi connaître absolument la différence entre une tierce majeure et une tierce mineure, pourquoi c'est primordial. Une astuce qui tient sur la main pour ne jamais plus te tromper dans les accords pour une grid blues. Et aussi ce qu'est la blues note, comment lire un diagramme d'accords, comment lire des tablatures, enfin il y en a plein. Là je te renvoie dans la description ici en bas où tu auras toutes les infos de tout ce que tu trouveras parce qu'on va aborder plein de choses. Alors, si t'as déjà eu ce sentiment un peu gêné comme ça, d'être en répète et que ça parle d'accord ou de gamme et que tu sais pas trop, tu connais pas le nom des accords, tu sais pas quelle gamme jouer, et ben voilà, ça va se terminer. Et si tu en as marre de composer des trucs et que tu ne sais pas noter les accords que tu joues et que tu sais pas ce que tu fais, et ben ça aussi, ça va se terminer. Car tu es sur le point de connaître le langage universel entre musiciens, mais je le répète, appliqué au blues. Par un guitariste de blues, pour les guitaristes de blues. Voilà. Voilà, je t'explique avec mes mots, mes ressentis. J'ai été prof pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que les guitaristes ont besoin pour avancer et aussi ce dont ils n'ont pas besoin. Parce qu'après, faut pas aller trop loin, ça peut t'embrouiller. Alors, c'est une formation qui dure 90 minutes ou
90 minutes, tout dépend où tu habites. Mais je te promets que ça va être du temps bien investi dans ta pratique. Parce que même si on n'en a pas envie, je te promets que de connaître les bases, connaître l'essentiel, ça va vraiment te faire progresser dans ton jeu. Ça va vraiment t'aider. C'est le langage entre musiciens. Tu vas comprendre ce que tu fais. C'est vraiment, vraiment utile. Je sais, c'est pas marrant, mais c'est... faut y passer. Franchement, à un moment, je pense qu'il faut y passer. Concrètement, comment faire ? Tu as un lien ici en bas, dans la description. Tu cliques sur le lien, tu me dis à quelle adresse email je t'envoie ça, et tu auras toutes les infos pour avoir la formation. La formation est disponible à son prix de lancement jusque lundi, 23h59. Ensuite, elle augmente. Alors, si tu veux être sûr d'avoir le meilleur tarif au cas où tu regarderais la vidéo trop tard, bah, clique sur le lien, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai répété, c'est pas la chose la plus sexy, mais ça va être très utile. On se retrouve tout de suite dans la formation. C'est parti.